Quand on m'a annoncé le diagnostic, j'ai cru que ma vie s'arrêtait. Bonjour, je m'appelle Leïla, j'ai 40 ans, je suis d'origine marocaine. J'ai une petite fille qui s'appelle Nora, qui va bientôt avoir 3 ans. Et voilà, je suis en couple aussi. Je suis séropositive, je l'ai découvert à l'âge de 35 ans. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une petite fille en bonne santé et d'avoir mon mari, mais ça n'a pas toujours été le cas. Quand on m'a annoncé le diagnostic, j'ai cru que ma vie s'arrêtait. J'ai pensé à la mort, évidemment, et puis surtout à tous les projets que je ne pourrais plus avoir. En plus, chez nous, c'est un sujet tabou dans ma communauté. C'est vraiment pas évident d'en parler. Et bon, la plupart des gens, malheureusement, pensent encore que le VIH peut se transmettre simplement en se touchant. Et donc voilà, les gens ont vraiment, vraiment très peur. Grâce à la plateforme Prévention Sida, via Action Test, donc c'est un de leurs projets qui permet de faire des dépistages gratuits pour le VIH, mais aussi pour d'autres IST. Grâce à eux, j'ai pu avoir accès aussi à des traitements qui me permettent aujourd'hui finalement d'être indétectable. Alors moi, au début, j'étais persuadée hein, que j'aurais pas de vie de famille, que personne ne voudrait de moi. Et puis finalement, j'ai eu de la chance en fait. Je suis tombée sur mon mari qui était déjà très au courant de ce qu'était le VIH, de ce que ça impliquait. Et il a très très bien compris ma situation. J'ai vraiment eu de la chance avec lui. Moi, je suis très heureuse en fait parce qu'aujourd'hui, ma fille est en bonne santé. Ni elle, ni mon mari n'ont le VIH. Et aujourd'hui, je n'ai plus honte d'être séropositive. J'ai une famille, j'ai droit au bonheur, comme tout le monde. Le VIH n'est pas une fatalité. Il existe des traitements aujourd'hui qui permettent en fait de vraiment avoir une vie de famille et de connaître l'amour.